Va d'abord te réconcilier avec ton frère, Matthieu 5, 23, 25. Cet évangile nous questionne sur la manière dont nous vivons notre lien entre vie de prière et vie quotidienne. Nous ne pouvons pas communiquer avec le Seigneur si nous ne communiquons pas entre nous. En effet, se mettre en mouvement vers Dieu implique aussi un mouvement vers nos frères et sœurs. L'évangéliste Jean écrit « Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » alors qu'il a de la haine contre son frère, c'est un menteur. En effet, celui qui n'aime pas son frère qu'il voit est incapable d'aimer Dieu qu'il ne voit pas. 1 Jean 4, 20. Une fois encore, la parole de Dieu oriente notre chemin. Quelle attitude aurais-je aujourd'hui si quelqu'un me contrarie? De quelle manière puis-je m'abstenir de vengeance, de colère pour chercher un chemin de réconciliation? Seigneur, ton sang nous purifie des œuvres de mort. Nous servirons le Dieu vivant. Gloire au Seigneur. C'est lui notre Dieu.